Je tenais à dire au président de l'Assemblée nationale et à la représentation nationale que nous nous sommes venus après un accord, c'est l'accord de Doha. Donc nous avons participé au dialogue et aujourd'hui nous sommes à l'Assemblée nationale. Sauf que nous sommes venus de l'extérieur. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas de moyens roulants. Et aujourd'hui, on nous demande aussi de quitter l'hôtel d'ici la fin du mois. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des endroits où aller ou aller dans nos familles. Ce qui n'est pas normal, nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes plus des jeunes pour aller encore repartir avec nos familles dans nos familles. Donc il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions. On est d'accord que nous ne pouvons pas éternellement vivre à l'hôtel. Mais il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour nous donner des moyens roulants, pour nous permettre de pouvoir, pour l'instant, aller louer au quartier pour vivre et pour accomplir nos missions. Parce que nous sommes venus par rapport à un accord de paix. Sinon, nous tous, nous avons nos maisons à Paris, à Doha ou n'importe où. Nous avons nos maisons. Donc aujourd'hui, nous sommes venus par rapport à un accord de paix. Donc nous avons droit de rester à l'hôtel. Mais si l'hôtel coûte cher, nous comprenons. Mais qu'on nous puisse nous aider à aller louer dans les quartiers et qu'on nous puisse nous aider aussi à avoir des voitures. Parce qu'il n'est pas normal, parce qu'en plus, nous apprenons qu'il y a des voitures qui sont louées, mais on ne voit pas qui a ces voitures. Donc voilà, c'est ce qui n'est pas normal. Ah, on ira dormir devant la présidence, si on n'a pas de logement. Voilà, c'est aussi simple.